Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis, avec notre tank. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu en vidéo. Oui, je crois que oui. C'est parti, on y va. On rappelle que ce tank a le power booster derrière lui. Et que si ça ne va pas, je mettrai autre chose. De toute façon, petit à petit, je récupère de quoi refaire un heal, donc je referai peut-être un heal avec le power booster actuel. D'accord. Ok. Ok. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Il y a un Tesseract. Je déteste les Tesseract. Ah la vache. Saloperie. Saloperie de de sniper. M'empêche de heal. Putain, il me saoule. Allez, tire, oh dieu. Oh la gueule. Hop là. Oh, ça touche. Ça le traverse. C'est à tel point que ça le traverse. Oh, t'es sérieux? Putain. Oh, la gueule. C'est quoi le truc qu'il a à l'avant? Des boosters, d'accord. Donc au final, la partie centrale est très solide, mais le reste ne l'est pas tant que ça. L'élément, le point faible de mon robot, c'est son équipement. C'est triste. C'est triste, c'est triste. What the fuck, y'en a un qui attend. Y'en a un qui attend au spawn. Ils attendent au spawn, chers amis. Regardez-moi ça si c'est pas des putes, ceux-là. Tiens, bouffe. Mais ce mec, il a comme un porc. Merci. Merci, merci. Ah, je vais pas pouvoir le toucher de là. Dommage, dommage. Allez. Hop, parfait. Allez. T'as raison, attendez que j'ai fini pour le faire. Voilà, merci. Là, vous êtes au milieu, ça tombe bien. Je vais y venir aussi. Putain, il me saoule. T'es pas censé exister dans ma réalité! Déchet! Putain! Dégage! Oh là là! Tu peux me heal ou pas? Tu peux me heal? Ah merde! Physique de jeu moisi! Physique de jeu moisi. Ouf. Quoi? Hop. Oh
Merde, j'ai raté mon tir là. Hop. Allez, encore un. Voilà. Et normalement là c'est bon. Ah putain. Je fais ce que je peux. Ok. J'aurais préféré que tu me laisses les points. Regardez derrière. Hop les. Oula. Oh la gueule. Par contre d'ici là que tu me butes. Ah par contre y'a ton pote à côté, ça me saoule. Est-ce que quelqu'un pourrait me heal s'il vous plaît? Tu peux aller me faire foutre? Je vais me faire foutre, d'accord je vais me faire foutre. Ok c'est pas grave. Je déteste ce Tesseract, j'annonce hein. Je déteste ces robots. Si nos potes pouvaient reprendre une tour. Lui par contre il a un sublime robot hein. Par contre ta position n'est pas bonne hein. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes deux secondes. Alors j'ai vu que t'avais du mal. Il est devenu invisible. Hop. Hop. Faut qu'on récupère absolument un point. Putain, puis y'a l'autre Tesseract. Ah, mais merde. Laissez-moi tranquille, nom de Dieu. Ah. Non, pas toi. Bon. Boum, ça prendra, tiens. Merci. Merci pour la vengeance. C'est vraiment sympa. Merci, c'est bien ça. Oh là là, y'a deux. Ah bah. Oh merde. Oh, fais chier. Tu veux bien? Non, il voudra pas. On y va. Nyon. Il est bugué, hein, je précise. Hop. Quoi? Hop. Allez. Hop. On y va. Allez, tourne. Ok, allez, tourne. Ah la vache, la marche arrière, c'est pas simple. Dans la neige, c'est encore pire. Je peux pas faire le poids, je suis baisé de toute façon. Dommage. Ah bah il me reste plus qu'une roue. Vous savez le pneu qui roule souvent quand on voit la voiture se crasher, vous savez la caméra suit la bagnole se crache, la caméra continue comme si la voiture ne s'était pas crachée et on voit le pneu qui rejoint la caméra un peu plus loin. Bah c'est un peu ça. Je m'éclate à faire des... à imaginer des scénarios de dessins animés dans ma tête. Devant toi. Devant toi, devant toi, devant toi. En haut, au-dessus. Ah bah là vous êtes bon. Presque autant que moi, dis donc. Ces robots ne sont pas censés exister. Vengeance V pour Vendetta. Non, c'est... Raté.
Touché. Oh. Marque déposée. Dommage. Bon. Je compte sur nos copains. Ou je compte pas sur nos copains. Je compte sur nos copains. Oh merde. Hop les. Le temps de venir, j'ai déjà enlevé une bonne partie de leur défense, s'il te plaît, retombe. Dommage. Hop les. Salaud. Hop les. Dommage. J'ai essayé de tirer, j'ai fait ce que j'ai pu, chers amis. Bon, est-ce que mes potes vont reprendre la tour, qu'on puisse repop avant les 40 secondes? Telle est la question, chers amis. En tout cas, ce robot est assez efficace, hein, plus que le mien en tout cas. Mais j'ai des idées pour un prochain robot de toute façon. Soyons honnêtes. J'ai des idées. Il me faudrait un sniper avant de faire ça en fait. C'est ça le truc. Il est joli son robot. Très joli. Vous voyez là, je trouve que c'est une belle utilisation des commandes des. Des commandes des Rhodes par exemple. Là, je trouve ça très joli. Très bien fichu. Plutôt que des Rhodes qui sont mis bout à bout, puis au bout on met une arme. Là, je trouve ça vraiment extrêmement bien fichu. Soyons honnêtes. Hein. C'est bien fait. Moi j'aime beaucoup. Tellement de vitesse sur ce robot qui tient même pas sur ses chenilles. Alors j'ai pas rajouté rien du tout. J'ai rajouté rien. Hein, rien du tout. J'ai cru voir le Tesseract dans le coin. Apparemment il a été détruit. Hop, je passe. Hop. Oula, il flotte maintenant, là autre chose. Hop. Personne ou quoi? Hop. Hop. Merde. C'est qu'elle essaie des cubes là. Hop, bien joué. GG tout le monde. J'aime beaucoup ce robot vu la masse de dégâts qu'il fait en fait sur les tours. Ce qui vaudrait peut-être le coup, c'est de le mettre en plus rapide justement pour aller chercher les tours le plus vite possible. Mais le problème c'est que plus rapide indiquerait aussi moins solide. Mais bon. Bon, on est en milieu de tableau, c'est pas catastrophique. Ok. Mais c'est vrai que peut-être qu'avec deux chenilles, il serait aussi efficace. Ok. Et ce sera tout pour le rare. Ok, pourquoi pas. Non mais ça me dérange pas moi. Pour la prochaine partie, on va prendre, je pense, le Gundam que vous appréciez à l'air apparemment beaucoup. Alors je suis content que vous l'appréciez parce que moi je me suis vraiment éclaté à le faire. Il est de moi, hein, littéralement. Même certains d'entre vous ont des doutes vis-à-vis de l'utilisation de ces choses-là. Je vous ai déjà expliqué que les boosters fonctionnent à partir du niveau 9. En fait, ils supplantent tout simplement le système de jambes. C'est-à-dire que la vitesse de jambes étant inférieure, forcément, oui, quand je vais marcher avec mes jambes, je vais être réduit en niveau vitesse. À partir du niveau 9, par contre, dès que je vais sauter, je vais accélérer à une vitesse complètement incroyable. Vous verrez. Hop, à tout de suite, chers amis. À tout de suite, on va bien voir ça. Re, chers amis, re, on y va, on bourre. Je vous rappelle que maintenant, on a un sniper qui va être très efficace avec les jambes, en plus. Hop, les. Par contre, il tire toutes les 3 minutes. Hein. Oula, un coup de téléphone. Un instant. J'adore quand ça me raccroche au nez, parce que moi, j'attends toujours la réponse de ma boîte, hein, vis-à-vis de... Vis-à-vis de comment de...
de tout ce qui est tour. Hop, on sert dans les dents. Donc il a un sniper lui aussi. Je crois que la technique elle s'est bien développée. Hop. Ok, salut les mecs. C'est tout. De toute façon vous êtes à 3 là, je peux pas rien faire moi. Où sont mes potes? Où sont mes potes? Je suis désolé, je suis encore un petit peu énervé vis-à-vis du coup de téléphone où on me raccroche au nez, j'aime pas ça. C'est un coup de téléphone lambda, hein. Y'a rien à chercher plus loin que ça, hein. C'est une pub à la con sûrement ou un truc comme ça, un numéro, rappelez-nous et hop, goodbye. Putain. Hop. Ok. Copieur. Ils sont efficaces ces petits robots. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça donne même des idées à vrai dire au niveau de ce robot Gundam. Mais j'ai pas envie de le changer, je le trouve très très bien et... Non, j'ai pas envie de le changer, il est... Même s'il est pas aussi efficace que ce que j'espérais. Hop. Hop. Ah mince, la souris qui fait des siennes. Oh. Ah, il me saoule celui-là. Hop. Hey. Il va réapparaître par là, de toute façon, forcément. Ou il s'est mis définitivement à couvert, ça dépend. What? Ah! C'est une idée, ça, de toute façon, ce genre de voiture. C'est une idée. Je sais déjà plus ou moins comment je vais la faire. Par contre, cette game-là, on va pas la gagner, chers amis, soyons honnêtes. On ne la gagnera pas. Et c'est bien dommage. Hop. Tiens, je dois quelque chose, toi, je crois. Hop. Voilà. Repars voir ta maman. Crac. Ok. Ok. Me faire snipe, c'est pas la chose que je préfère, hein, soyons honnêtes. Hop. J'aurais dû viser le cube au milieu. J'ai été stupide. Il m'a visé mon snipe, bien joué. Ok. Voilà, ça c'est fait. Dommage. Il est bien son petit truc, hein. J'aime bien ce petit truc là. Et honnêtement, vu le plaisir que j'ai à jouer avec des robots dynamiques, honnêtement, je me tâte, hein. Je vais peut-être en construire un. Je vais peut-être en construire un. Sur le principe. Je vais peut-être en construire.
que j'équiperai le moment venu. En fait, moi j'aurais envie de changer ce robot un petit peu graphique, j'ai envie de dire. Raté. J'ai raté mon tir. Dommage. Par contre, lui, s'il vous touche, il va faire d'énormes dégâts, hein, soyons honnêtes. Ok, merci. Il me saoule celui-là avec son snipe. Oh mais merde! Si je suis pas à l'abri du moindre snipe, c'est pas bon. Hop. On va essayer de faire le tour. On verra bien. What? Ok, bon bah c'est moi qui fais 95% des dégâts, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? What the fuck? Ok. Wow. Il remonte, il remonte. Dommage. Ils sont nombreux. Oh, j'ai pas eu le temps de tirer. What the fuck? What the fuck? Bon, c'est pas grave. Ok. On y retourne. Je fais la molette, je sais pas pourquoi, je suis en train de m'énerver peut-être un petit peu. C'est pas bon signe. Ça aurait peut-être temps de récupérer cette tour. Oh, what the fuck? Hop les. Hop. Voilà. Nombreux là. Hop. T'es sérieux? T'es sérieux? Putain. Ce robot est stylé, mais niveau puissance, il laisse un petit peu à désirer. On va régler ça, on réglera ça, chers amis. Ou alors j'en ferai un autre mecha. De toute façon, j'ai les jambes qu'il faut pour ce truc-là. J'ai la quantité de jambes qu'il faut. T'es sérieux? Oh, la gueule! La quantité de dégâts que fait cet aéroflac est vraiment hallucinante. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Soyons honnêtes, chers amis. Bon, c'est comme ça. Surtout sa quantité de points de vie en plus qui est hallucinante. Hop, et de 1. Quelqu'un peut faire quelque chose? Non, je me la mets dans le fion, je me la mets dans le fion. Pas de problème. Oh, c'est ça que je veux éviter, vous voyez, chers amis. C'est juste ça que je veux éviter. Comme snipe. Mais bon, faut pas se voiler la fesse.
C'est un échec, hein, chers amis. Ce sera un échec. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera un échec. Tiens, pour éviter le spawn kill, ce serait pas mal. Oh la vache. Je me suis tellement fait défoncer en quelques secondes. Yes. Ok, bon, bravo. Voilà, bon bah ils ont réussi à comprendre que c'était une défaite, parfait. Bon. Bon bah écoutez, j'ai du mal à croire que j'étais le premier de mon équipe. C'est triste, c'est assez triste. Ok, bon. Bon. Et bah c'est sur cette défaite qu'on va se laisser, chers amis, je pense. Qu'est-ce qu'on va avoir en bronze? Ouais, un altimètre. Ah, make right here. Pourquoi pas. Je reçois des mails de partout. Free Jam, est-ce que c'est toi? Non. Et normalement, non plus. En Kamashop. Non. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo.